Salut les toqués, donc on se retrouve comme convenu pour une seconde vidéo. Bah donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc il y aura beaucoup de VHS, un petit peu de DVD, du collector du culte. Et je crois, ouais, il y a même un laserdisc. J'ai eu l'opportunité d'en chemin pour 2 euros. Ce sera sûrement un des seuls que je prendrai parce que voilà, c'est un film bien spécifique. Pour ceux qui me connaissent, ils ont peut-être déjà deviné lequel c'est. Alors, donc on commence tout de suite. Donc, j'ai trouvé énormément de Disney à 10 ou 20 centimes pièce en originaux pour ma fille, donc je suis bien content. Parce qu'en plus, voilà, quand le prix d'un Disney en DVD c'est 10 balles, et là pour 10 centimes, les choper en VHS, donc bien content. Donc, Merlin l'Enchanteur, je vais pas les ouvrir à chaque fois, hein, je vous les montre juste comme ça rapidement. Aladdin. Ensuite, nous avons Rox et Rookie. Le retour de Jafar. Le roi lion. Pas en Disney, mais un super dessin animé. Anastasia. Retour au Disney, Bambi. On part chez DreamWorks. Excellent Fourmise. On revient chez Disney. Robin des Bois. Les Aristochats. Oliver et compagnie. Alors, pas Disney, mais voilà, je vous l'ai présenté il y a quelques temps en DVD. Et j'ai même trouvé la BO, et là, je trouve la cassette, donc vraiment cool. C'est Rocorico. On revient à Disney, La Belle au Bois Dormant. La Belle et la Bête. D'ailleurs, je l'ai peut-être deux fois, La Belle et la Bête, mais une édition différente. Alors, un autre dessin animé hors Disney, donc Les Amis de la Forêt. Hop, ça c'est à part. Blanche-Neige et les Sept Nains, l'édition qui était ressortie un peu plus tard. Hercule. Et je crois qu'on a fait le tour pour les Disney. Ouais. Alors, nous avons ensuite hors Disney Power Rangers le film. Donc celui-là, vraiment, vraiment hyper content de l'avoir chopé. Comme je galère à le trouver en DVD, l'avoir trouvé en VHS, j'en suis très content. Ensuite, pour 1 € les 3, je me suis trouvé la trilogie, bon, je fais des bêtises, de Star Wars, cette édition. Vraiment cool, l'Empire contre-attaque. 1 € le lot des 3, donc j'ai pas hésité. Et le retour du Jedi. Voilà, si je dis pas de bêtises en VHS, après il y a juste la menace fantôme et l'attaque des clones qui sont sortis, mais les autres non. Ensuite, nous avons un Ruby Rose que je n'ai pas en DVD, donc je suis bien content du coup de le choper en cassette. C'est le Cercle des Poètes Disparus. Vraiment un chef-d'œuvre ce film. Ensuite, deux petits romans. Les deux, je crois, c'était pour 3 ou 3 ou 4 euros, je sais plus. Les deux romans The Walking Dead, donc La Route de Woodbury et L'Ascension du Gouverneur, donc voilà, qui était vendu 8,10 € pièce. Hein. Donc il y a quand même plus de 10 euros de récupérer dessus. Ils ne sont pas super, super vieux. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, un petit moment Titanic. Alors, je me suis chopé la VHS Titanic, toute simple, pour 20 centimes. Le coffret collector, donc avec le film, le clip, les cartes postales et le morceau de pellicule. Donc, ça se présente comme ça. On a le jeu de photos ici dedans. La cassette dans le coffret. Et dedans, il y a également le morceau de pellicule. Donc, vraiment super cool. 2 euros le coffret. Et je vous disais, je me suis chopé un laserdisc. Voilà, forcément, c'est le laserdisc de Titanic. Voilà, pour 2 euros. La collection impeccable. Vraiment top. Donc, ça, c'est tout. Ensuite, il y a 1, 2, 3. 3 DVD plus un coffret. Donc, c'est des films que je voulais me refaire ces derniers temps et je suis bien content de m'être trouvé le coffret pour 2 euros de la trilogie. C'est Taxi. Voilà. La trilogie Taxi. J'ai failli le prendre hier ou avant-hier, je sais plus, en cash à 8 euros. Donc là, je suis content de la repris à 2 euros. Je me suis trouvé également un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune. J'ai des vagues souvenirs dessus. Donc, c'est Les Princes de la Ville. Voilà, c'est celui qui a fait Officier Gentleman. Voilà, les princes de la ville.
Ensuite. Alors celui-là, je suis vraiment, vraiment super content de l'avoir chopé parce que je vois tout le temps des films, les trois ninjas. Et il y en a un seul que je cherchais, que je regarde en boucle en cassette. Et je l'ai enfin trouvé, donc c'est les trois ninjas contre-attaque. Voilà, pour 50 centimes, donc vraiment, vraiment super cool de l'avoir trouvé celui-là. Et petit coup de la journée, vraiment sympathique. Je me suis trouvé un film super récent dont beaucoup de monde parle, qui a fait sensation quand même en 2015 dans les salles. Pour 3 €. Donc voilà, pour 3 € je me suis chopé Dangerous. Donc voilà, vraiment cool. C'est une belle petite pioche. Donc voilà. Je vais arrêter maintenant, étant donné que la dernière partie de la vidéo va concerner intégralement, pour ainsi dire, de la VHS horreur. Donc vraiment du très très lourd. Donc on se retrouve tout de suite, les toqués. Ciao ciao!